Salut à toutes et salut à tous. Donc me voici pour une petite idée de coiffure. Donc là en ce moment j'ai un afro avec mes cheveux shrinkés, c'est-à-dire que voici à quoi ressemblent mes cheveux sans les avoir étirés. Donc première chose que je vais faire tout simplement, c'est de les hydrater. Dans mon vapeau, il y a ceci. Comme le je ne sais même pas comment on dit ça. Vu que le bouchon, l'embout du spray est cassé, donc j'ai tout simplement transvasé ce produit-là là-dedans. Donc je vais tout simplement d'abord hydrater mes cheveux. Ok. Okay. Je vais... Ok. Car pour faire cette coiffure, il vaut mieux avoir les cheveux étirés, sauf si vous avez des cheveux non étirés très longs. Mais ce n'est pas mon cas, donc je suis obligée de plus ou moins... Ouh là là, j'ai des nœuds. Ok, on va recommencer. Je fais pareil de l'autre côté, au niveau des oreilles. Il faut surtout pas que je loupe mon milieu. Ok, donc ce que je vais tout simplement faire, c'est à votre choix par la suite. Vous utilisez votre méthode habituelle pour tout simplement étirer vos cheveux. Donc moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me faire des nattes. Ok, avant de faire des nattes, je vais utiliser ce produit là. Bon, ne me demandez pas une revue de produit parce que je ne vois rien. Ouais, peut-être que j'en ferai une, mais je vois rien de vraiment extraordinaire dans ce produit. À vrai dire, je l'ai surtout utilisé pour récupérer son accessoire. Un peu de chez Moisture, ok. Pour nourrir et hydrater. Comme ça, ok. Ce que je vais faire pour mes pauvres pointes, comme elles sont assez sèches en ce moment, un peu d'huile de ricin. Ok. Et ensuite, comme d'habitude, bah, je vais faire des nattes et une fois que les nattes seront terminées, je reviens. Ok. Donc voici mes nattes faites. Et ce que je vais tout simplement faire, c'est défaire toute cette partie-là. La partie qui se trouve au-dessus de mes oreilles va être défaite. Je vais mettre ça ici.
derrière, je laisse pour le moment. Ok. Et une fois que je vais défaire... Je vais défaire ça et une fois que ça sera défait, je vais entamer la coiffure. À tout à l'heure. Donc voici ma première partie défaite. Ok. Et ce que je vais faire, même si je n'aime pas du tout ce gel, je vais l'utiliser. Je ferai une prochaine vidéo sur laquelle je vais l'utiliser différemment. Ce gel ne vous permet absolument pas de plaquer vos cheveux. C'est un gel genre comme le Kinking Curly Curly Coaster qui vous permettrait d'avoir des boucles. Défini. Donc je vais quand même l'utiliser. Ok. Ok. Ok, je vais juste un tout petit peu. Bosser. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement faire une natte que je vais commencer ici. Ok. Je ne comprends pas bien avec mes mains. Je ne vais pas la commencer devant, je vais la commencer limite au milieu. Ok. Soit vous faites une natte, ou soit vous faites des vanilles. Je suis plus à l'aise avec les nattes collées que les vanilles plates. Donc je vais tout simplement commencer à faire une natte. Ok. Donc voici ma natte, ok, qui se termine comme ceci. En gros, ce que j'essaie de faire, cette coiffure a pour idée, ce sont généralement les chants qui ont des cheveux longs. Elles font une natte juste ici, qu'elles allongent, et puis une fois que la natte elle est faite, elles la passent par derrière, afin juste d'avoir une espèce de demi-queue de cheval, mais comme mes cheveux ne sont pas longs, j'ai trouvé cette idée de coiffure juste pour pouvoir faire un semblant de cheveux longs. Et comme cette natte va être mise comme ceci et derrière va être tout simplement lâchée, ça va donner l'illusion que ce sont vos cheveux du côté qui ont été juste nattés et accrochés ici. Voilà l'idée de coiffure, c'est pas quelque chose de super waouh, mais c'est toujours une idée. Et une fois que j'aurai défait la suite, je recommencerai et j'essaierai de la faire un peu plus. Here we go again. Un peu de gel. Comme de l'autre côté, je commence ici. Celle-ci, je vais la refaire, ok. Je vais essayer de zoomer.
comment faire, c'est d'accrocher, ok, tout simplement faire l'illusion . Je vais me prendre un élastique comme ceci, que je vais attacher comme ça. Ah merde! Ok. Et ensuite, tout simplement, je vais défaire mes nattes. Bon, voici le résultat final, ok. Je vais me retourner pour vous montrer le derrière. J'espère que c'est pas... Donc voilà, liste, l'idée de coiffure, ok. C'est pas une coiffure vraiment extraterrestre, c'est une illusion. Ça vous, ça permet de changer, voir que quand même on peut faire les coiffures que vous avez vous aviez eu l'habitude de faire en tant que défrisé. Ben vous pouvez quand même les refaire quand vous êtes naturel. Certes, le rendu n'est pas le même plutôt, mais c'est tout à fait possible. Donc les nattes sur le côté pour donner l'illusion que c'est juste cette partie-là qui a été plus ou moins nattée, ok. Ensuite, une fois que j'ai attaché mes deux bouts, bah, j'ai tout simplement défait les deux bouts de nattes tressées. Et voilà. Donc ça donne l'illusion que ce sont vos cheveux d'ici qui sont derrière et pas du tout. Donc voilà. Donc c'est pas une coiffure vraiment extraordinaire, mais c'est toujours une idée de coiffure pour celles qui seraient en manque d'inspiration. Donc voilà. Sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut !